chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vous ai toujours dit ici que les réseaux sociaux, papa, les réseaux sociaux, c'est le seul endroit où on annonce ta mort, ton enterrement. On fait les funérailles. Pourtant, tu es couché chez toi avec ta famille, tes enfants. Le monsieur ici que vous voyez là, on l'appelle Willy de Paris. Vous le connaissez bien, Willy de Paris. On nous a dit ici sur les réseaux sociaux comment le gars si est double sim, télé, machin. Il a épousé un Watt, où on le fume pas ici, où il est ça. Il marche comme une go, il fait ceci, il fait cela. Papa, moi j'ai mis les organes, il dit que, hé, tonton, tu fais quoi comme ça? L'autre jour, je me baladais sur Facebook, ding, je tombe sur ces images. Oh, l'autre jour, a même déjà épousé sa go. Invité même les artistes, les chakala VIP, vous voyez les invités, les gens. Je me suis posé la question que même. Le type s'est a divorcé quand avec son Watt. Jusqu'à épouser maintenant sa sœur, bla. So, j'ai compris que Facebook. Je me retourne comme ça, je tombe encore sur celui-ci. Vous le connaissez, non? Fingon Tchalala. C'est le monsieur qui est venu ici sur Facebook me dit, oh, ce qui rôde autour de Mango, sachez, même si vous êtes fort avec les coups de poing, les relations, il y a le village. On va rentrer au village, on va voir les marabouts. Nous tous, nous sommes venus mettre les organes. On a même traité ça en go, Noël Kemweko, oh, piment de la République. Oh, tu partages seulement comme les arachides du deuil. Oh, c'est monté, c'est descendu. Vous voyez le même monsieur qui faisait semblant de faire la bise à Noël derrière. Voilà Fingon, avec sa go devant. On met même le gond derrière la tête. Donc les gars sont en tournage. Les gars sont en train de faire la promotion de leur film, machin. Ils viennent prendre nos cœurs, ils jouent l'endoshi, ils balancent à gauche, ils balancent à droite. Hey! Tara, on vous a même fait quoi? Hey, papa Fingo, on vous a... Chaque jour, les buzz. Les gens sont aussi là comme ça. Nous, on est aussi là comme ça. On croit même parfois que c'est vrai. Pourtant, vous êtes là, vous vous amusez, vous blaguez. Adama... Non, vous êtes fort pour les buzz au 237. Chapeau, vous comprenez, non? Je guette encore comme ça, mais je vois qui. On dit que c'est une milliardaire. Que dernièrement, elle a même dit que elle va acheter seulement les jets privés. Un jet privé. Pause publicitaire! Bienvenue à Afrique Nature. Comme vous le savez bien, je communique uniquement pour les entreprises reconnues par le gouvernement camerounais. Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladies, les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelée typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Il vous propose un produit comme Artemis pour éradiquer à ce mal-là. Ultra Power qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force naturelle favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril. Au lit, urine qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents. C'est-à-dire qu'il soigne vos mal de dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que vous avez citées là. La particularité de Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara. Appelez ces numéros pour avoir plus d'informations. Ok. Je guette encore comme ça, même je vois qui. On dit que c'est une milliardaire. Que dernièrement, elle a même dit que elle va acheter seulement les jets privés. Un jet privé. Que sa famille l'encombre déjà avec la voiture. Ce n'est pas évident. Quand il faut voyager, il faut aller dans l'avion. Il faut l'aménager, le gardien, ou c'est le vigile, même son chien, le chat, même les mouches qui se baladent dans la maison. Il faut parfois, il faut assez d'espace pour continuer. On l'appelle Tata Karimo. Karimo Ampi. Elle est go dans son lit, ou bien c'est à Baganté, ou c'est où je ne me suis pas trop renseigné sur le village. Elle est d'eau. Vous voyez la Prado.
Mon frère, où on dit que où c'est 80 millions. Tu sais que les gars ont souvent les chiffres maintenant sur Facebook. Surtout en ce qui concerne les véhicules. Les chiffres, ou les 100 millions, ou les 200 millions pour une voiture. On dit que voilà la voiture de 80 bâtons qu'elle a offert à sa mère. Mais pendant qu'on va lever la main pour applaudir, ping, on voit l'autre petite de 23 ans là, croqueuse de diamants. Hop là. Elle vit aussi, dit que mince, je ne suis pas aussi n'importe qui. Dernièrement, j'ai offert un R plus 2, ou c'est plus 3. D'autres ont même dit que c'est juste, ça part jusqu'au 15, que c'est même R plus 15. À ma mère, j'offre maintenant une voiture de 40 millions maintenant à ma mère. Mère 2, vous pensez que vous êtes seulement les seuls à avoir les mêmes? Nous, on a aussi les mères, on les offre aussi les caisses. Bon, entre elle et les milliardaires, ce sont les milliardaires. Nous-mêmes, on peut aussi dire que, hey, Seigneur, rends-nous aussi milliardaires, non? Nous, on achète aussi les voitures. Moi, quand je serai aussi milliardaire, même quand ma mère est morte là, je vais acheter que la voiture de 500 millions. Je pars, je dépose sur sa tombe comme ça là, je pars. Hey, Adama, et aussi ma sœur-ci. Elle sort aussi de Dubaï avec sa mère. Elle arrive au pays, elle nous présente aussi sa part de caisse. Koho, Naba, ou c'est le cheval bleu, ou ils appellent déjà ça quoi maintenant bleu, ou c'est quoi bleu là. Oh, 40 millions, ou c'est 30 millions, ou c'est 35. Bref, Sébastien Baham, on n'entre pas trop dans les détails pour elle. Maman Bossé, je te souhaite juste bonne chance. Tu es sur le bon chemin. On vous observe seulement. Et comme ça ne suffisait pas, vous savez que je vous ai dit le 237 est tellement sucré. Il y a un autre qui sort aussi là, Tomko. Oh, je t'ai allé plonger dans la piscine miraculeuse. Et chaque nuit, les fantômes, les sirènes d'eau, les ceci m'appellent et me poursuivent la nuit. Ce matin, alors, je me réveille. Je vois encore plutôt l'autre Koho. C'est son père qui l'amène chez les marabouts. Le marabout en crédit dit que oh, rien ne doit arriver. Oh, patati. 237. On ne sait pas si c'est le buzz. On ne sait pas. Parce que c'est la réalité. Moi, je me suis posé la question. Mais c'est quel marabout qui accepte s'afficher à Mondo Vision comme ça et montrer tous ces trucs-là. En tout cas, on vous observe. On vous observe. Bref, moi, particulièrement, je vous observe. Et un autre lambin, il s'élève aussi. Oh, moi je suis fan de Fadi le sorcier, je suis fan de Malox. Quels sont ces organisateurs d'événementiels qui programment Fadi le sorcier et Malox le même jour? Je suis à Istanbul, je veux aller chez Malox et où je veux aller chez Fadi le sorcier. Une même soirée. On va se départager en deux ou ça va se passer comment? Wow, patati patata, les Camerounais, les Camerounais ont les problèmes. Écoutons-le. Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, je me mêle d'une affaire qui ne me regarde pas, mais qui doit me tout m'égaler. Ça fait 11 ans que je vis à Strasbourg. Vivre à Strasbourg, comme vivre à Strasbourg, même je vis dans la métropole, je vis à 30 minutes de Strasbourg, 20 minutes en voiture de Strasbourg. Je vis précisément à Guenot. Mais j'en ai marre que vous, les promoteurs des soirées qui vivaient à Strasbourg, vous programmez les deux grands chanteurs des mêmes pays le même jour. Comment pouvez-vous programmer Malox et Fatih le sorcier le même jour? Monsieur et madame les promoteurs et promotrices des soirées, asseyez-vous chaque début d'année et faites une réunion. Asseyez-vous chaque début d'année et faites une réunion. Programmez vos soirées en avance. Il est inadmissible qu'on programme des stars congolais, ivoiriens, camerounais, il va quoi dire quoi, sénégalais, la même soirée. Vous qui faites des soirées, asseyez-vous en début d'année, faites une réunion et partagez-vous les dates afin que chacun puisse bien organiser ses soirées. Mais putain, là, il est samedi 24 juin. Je suis là sur ma terrasse en train de boire une petite bière. Je ne sais pas où partir. Si ce n'est pas la soirée de Malox, en allant chez Fadil, la police m'arrête, mon permis perdu. Si ce n'est pas chez Fadil, la police m'arrête, je n'ai pas mon permis de conduire. Mais les Africains de Strasbourg, je vous dis, bientôt, je ne suis pas promoteur de soirée. J'ai encore mon micro derrière. Mais le jour que je veux commencer les promotions de soirée, les gars, j'aurai la puissance de frappe, j'aurai la force de frappe. Donc, je ne veux pas commencer. Mais pour le moment, entendez-vous pour programmer vos soirées. Entendez-vous. Il est inadmissible que depuis 5 ans, vous commencez à faire des conneries. Chaque fois, ça c'est la deuxième ou troisième fois que vous programmez deux grands artistes africains camerounais le même jour.
Qu'est-ce que vous discutez entre vous? Que ce soit Congolais, Ivoirien, Sénégalais, je m'en fous. Mais chaque grand artiste, chaque pays doit avoir son jour. Asseyez-vous et faites des soirées et du temps entre vous. C'est la dernière fois, la deuxième fois que je vais sortir mon micro, ça va chauffer. Vous comprenez dans la compréhension, même à Strasbourg là-bas, ça brûle. 237 pays de buzz. Partagez-moi la vidéo, les amis. Vous êtes de la page restreinte. Si tu es nouveau, abonne-toi. C'était le général Franco. Bisous. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market, une solution sûre, fiable et très efficace pour tous les benguistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc, pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anarques où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes, ils font leurs affaires, leur business avec. Contactez rapidement Easy Market. C'est la solution sûre et très, très efficace. Cerise sur le gâteau. Livraison en 48 heures au max. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contactez-le sur le site web. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.